Nous allons voir un détail important. We are going to see a very important detail. En étudiant le psaume 89 l'autre jour, nous avons vu comment, à un certain moment, le psalmiste s'est appuyé sur la promesse de Dieu. While studying Psalm 89 last time, we saw how the psalmist laid on God's promises. Et c'est régulier dans la Bible. And this is regular in the Bible. Les intercesseurs. All the intercessors. Pour avancer, pour progresser, se sont appuyés sur la promesse. They laid on the promise. Donc vous allez noter les promesses de Dieu. So you write down God's promise. Vous notez ceci. Write this. Une promesse. A promise. Est un engagement de faire quelque chose. Is a commitment to do something. Une promesse est un engagement de faire quelque chose. A promise is a commitment to do something. Dans la Bible, in the Bible, les promesses de Dieu pour l'homme, God promise for man, sont des sortes d'alliances, are kind of covenants, des sortes de conventions avec des effets bénéfiques, kind of convention with benefits. C'est-à-dire avec des bénédictions comme des retombées. Like with a blessing as impact. Comme des gains. Like comme des profits. Like profit. C'est-à-dire que tu as cru en Dieu. It means that you believe tu in God. Tu gagnes. You win. L'accomplissement d'une promesse. You win the completion of a promise. Ce sont donc des sortes d'alliances, des sortes de conventions avec des effets bénéfiques. Covenant or convention with benefits. Comme des retombées, comme des gains. As impacts. D'une manière générale, generally, chaque promesse sous-tend trois principes. Each promise means three principles. L'engagement. The commitment. L'obligation à faire quelque chose. The obligation to do something. C'est-à-dire la personne qui dit, qui fait la promesse. It means the one who made the promise. Peut avoir dans la pensée. Can have in his thoughts. Un engagement. A commitment. Une obligation. An obligation. Dans ce cas. In that case. Il donne naissance à un droit. It gives birth to a right. C'est pour ça qu'on dit que la promesse est une dette. This is why it says that a promise is a debt. Il crée un droit pour toi. He creates a right for you. À ce niveau, vous pouvez déjà dire merci Seigneur. At that level, you can already say thank you Lord. Dis merci Seigneur. Say thank you Lord. Chaque promesse de Dieu. Each promise of God. Est un droit que Dieu crée pour toi. Is a right that God creates for you. Sinon, tu vas te tenir sur quoi pour demander les choses? Otherwise, on what will you lay to ask things? Si tu vas dans une boutique, tu donnes ton argent, tu peux dire au commerçant, donne-moi la marchandise. When you go into a shop, you give your money, you can tell the treasurer, give me my goods. Quand tu te tiens devant Dieu, tu lèves les mains. When you stand before God, you raise your hands. Tu commences à demander des choses. You start asking things. Sur la base de quoi? On which basis? Généralement. Generally. C'est sur la base des promesses. It's because of promises. Parfois nous insistons. Sometimes we insist. Pourquoi? Why? Parce que nous croyons que c'est un droit. Because we believe Dieu nous that l'a promis. It's a right. He has promised that to us. La promesse sous-entend aussi. Promise means. L'honneur de celui qui promet. Honor of the one who has made the promise. Il y a un rapport de loyauté. There is a relationship of faithfulness. Parce que il ne peut pas salir son nom. Because he doesn't want to spoil, to waste his name. Il dit je te dis moi je vais te faire ça moi. Quand says, quelqu'un te dit moi je vais te faire ça. I'm telling you, il engage son honneur. I will do that to you. He is committed himself, his honor. Gérard Younes a dit, promesse c'est donner un droit fondé sur une seule loyauté. To promise is to give a right founded on a loyalty. Le troisième principe,
The third principle. C'est que is la promesse concevoir l'espérance. Promise bring up hope. Dans ce cas, il n'y a pas la notion du droit. In that case, there is no notion of right. Dans ce cas aussi, il n'y a pas un engagement formel. In that case, there is no formal commitment. Il n'y a pas de serment. There is no sermon. Mais les engagements de Dieu sont toujours accompagnés de serments. But God's commitments are always accompanied with sermon. Donc il s'agit plus de droit pour nous que d'une simple espérance. So it's more about a right than an hope. Dans l'Ancien Testament, in the whole covenant, nous voyons que Dieu a fait beaucoup de promesses aux hommes. We see that God has made lot of promises to men. Et l'accomplissement des promesses que Dieu fait aux hommes dans la Bible, and the fulfillment of those promises that God made to people in the Bible, exige l'obéissance de l'homme pour leur accomplissement. Required the obedience of man for their completion. Donc, so, l'homme doit obéir à Dieu. Human, man should obey God pour voir s'accomplir pour lui ce que Dieu a promis. So that God complete what he has promised. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Dans chaque génération, in each generation, Dieu a fait des promesses. God has made promises. Au peuple, to the people, et aux individus. And to individuals. Quand on lit la Bible, but when we read the Bible, on va remarquer une chose. We can remark one thing. Il y a des promesses qui concernent tout un groupe. There are promises which is for a group. Et il y a des promesses qui concernent les individus. And there are promises for individuals. Dans tous les cas, in any case, il faut l'obéissance. It takes that people obey pour leur accomplissement. For the completion. Si ce sont des promesses à un groupe comme la communauté missionnaire chrétienne internationale de Côte d'Ivoire, if there are promises to a group like the fellowship, our fellowship in Ivory Coast, là toute la communauté doit s'engager dans l'obéissance. All the fellowship should commit himself in the obedience. Ça veut dire aussi qu'il y a une chose. It also means that there is pour laquelle Dieu veut l'obéissance communautaire. For which God wants the fellowship obedience. Comme pour nous, pour ceux qui nous concernent ce jour-ci, c'est d'annoncer la bonne nouvelle avec hardiesse. And regarding us, de la prophétie de Santa Cruz. Regarding us this day, God wants us to announce the gospel through the prophecy of Santa Cruz. C'est-à-dire qu'on prêche en toute occasion, favorable ou pas. To preach in any occasion, chaque good jour, or bad, every day, avec hardiesse, with zeal, dans les rues, dans les maisons, dans des places publiques, in the dans houses, les, in public les salles, places, in the rooms, annoncer l'évangile, announce the gospel, délivrer les captifs, deliver captives. Vous notez, il y a right? Un caractère collectif ou communautaire. But a collective or a fellowship character. Le salut, salvation, la délivrance, deliverance, la guérison, healing, le repos, the rest, la consolation, comfort, la protection dans les batailles. Protection into the ça, warfare. Ça c'est des promesses à these un peuple. To a people. Et dans les transactions personnelles. And in personal transactions, quelqu'un peut décrocher des promesses individuelles. Someone can get individual promise. C'est pour cette raison qu'il faut une communion personnelle avec Dieu. This is why we must have a personal communion fellowship with God. Il faut que tu mènes une vie qui permet à Dieu de te parler comme à un individu. You must have a life which allow God to speak to you as an individual. Tu dois avoir des moments de retraite personnelle. You must have time of personal retreats. Tu dois avoir des moments de lecture personnelle de la Bible. Tu dois avoir des moments de méditation. You must have a period of meditations. C'est dans ces moments, it is in this period, que tu crées toi-même, that you create yourself, pour rencontrer Dieu, que tu vas ressortir God avec des promesses qui te concernent d'une manière révélationnelle.
that you will come out with personal promises which regard only you personally. Si tu n'as pas de communion personnelle avec Dieu, if you have no personal fellowship with God, tu vas te contenter des promesses collectives. You will just enjoy collective promise. Je suis avec vous. I am with you. Je vous soutiens par ma droite. I support you by my right. Mais si tu n'as que 100 francs dans ta poche, but if you only have 100 francs in tu verras que l'inquiétude sur qu'est-ce que tu vas manger demain va hanter ton esprit. You will see that the worries about what you are going to eat tomorrow will haunt your spirit, your mind. Si le frère Antoine s'était contenté de la communion collective, if brother Antoine just enjoyed the collective fellowship, Dieu pouvait lui dire chante. God could tell him sing. Il refuse. He refused. Mais le lendemain il va à l'assemblée. And the coming day he go to the assembly. Il chante avec les frères. He sing with brothers. Ça n'allait rien produire. It will produce nothing. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est une révélation. What I will tell you right now is a revelation. Les promesses sont des moyens divins. Promises are divine means. Par lesquels Dieu sanctifie la foi de ses enfants. Through which God sanctifies the faith of his children. Vous notez ça très bien. Write that very well. Les promesses sont des moyens divins. Promises are divine means. Par lesquels Dieu sanctifie la foi de ses enfants. Through which God sanctifies the faith of his children. Le monde est rempli de promesses. The world is filled with promises. Même Satan a promis des choses aux gens. Even Satan has promised things to people. Il a même promis à Adam qu'Adam sera Dieu. He promised to Adam that he will be God. Il lui a même promis qu'il ne va pas mourir. He even told him that he won't die. Mais Adam n'est pas devenu Dieu et puis il est mort. But Adam did not become God and he died. Les parents peuvent te faire des promesses, les marabouts. Your parents, marabouts, can les make devins. You promise, fetish makers. Celui qui croit aux promesses de Satan people, est impur. The one who believes into the promise of Satan is impure. Il aura part au châtiment éternel. Vous notez ceci. What is that? Les promesses de Dieu, God promises, sont de puissants stimulants. Are stimulating power. Pour la sanctification for du croyant. Sanctification of a believer. Dans 2 Corinthiens chapitre 7 verset 1, il est écrit. In 2 Corinthians 7 verse 1 is written. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, quand tu as les regards, quand tu es habité par les promesses de Dieu, so when you are dwelt by God's promise, il y aura un puissant encouragement dans ton homme intérieur. It will bring a powerful encouragement in your inner being. Qui va t'empêcher de devenir comme les autres, which, comme les païens. Which will prevent you from becoming like pagans. Parce que quelque chose te dit, because something tells you, il faut que j'hérite la promesse. I must inherit this promise. Il faut que la promesse de Dieu pour moi s'accomplisse. It takes that the promise of God for me come to life. Dans 2 Pierre, in 2 Peter, chapitre 3, chapter 3, verset 11 à 14, verse 11 to 14, il est écrit, it's written, puisse donc que toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de notre conduite et votre piété. Since all these things will be destroyed in this way, what kind of people should you be? Your life should be holy and dedicated to God. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. As you wait for the day of God and do your best. À cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. To make it come soon, the day when the heavens will burn up and be destroyed and the heavenly bodies will be melted by the heat. Pierre veut dire ici que la promesse devrait vous garder attaché à la sainteté. Peter want to say that the promise should keep us attached to holiness.
Parce que si vous savez que toutes ces choses vont se dissoudre, if you know that all the things will be destroyed, vous devez vous attacher, you must attach yourself, à la vie de Dieu, to God's life, à la sainteté de Dieu, to the holiness of God. La Bible dit, the Bible says, le juste vivra par la foi, the righteous one will live by his faith. Je sais que tu connais ce verset là, mais note encore ce soir. You already know this verse, but write it down again tonight. Quand Dieu dit que le juste vivra par la foi, when God said that the righteous one will live by his faith, through his faith, ça veut dire que quoi? What does it mean? Ça veut dire que le juste devra s'appuyer sur les promesses pour vivre. It means that the righteous one should lay upon the promises to live. Tout ce que Dieu veut accomplir dans la vie d'un homme, all that God wants to make in the life of someone, est précédé par une promesse. Is preceded by a promise. Tu es malade. You are sick. Avant même que Dieu ne te guérisse, before that God heal you, il te promet qu'il va te guérir. He first promised you that he will heal you. Il veut rendre possible son action dans ta vie. He wants to make his action in your life possible. Parce qu'il a décidé, because he has decided, que le juste vivra par la foi. That the righteous one will live. S'il n'y a pas de promesse, if there is no promise, il n'y a pas de principe de la foi. There is no principle of faith. Il crée donc la promesse. He first creates the promise. Pour que tu puisses exercer la foi et que tu vives. So that you may act on your faith and live. À partir d'aujourd'hui, from today on, si Dieu te promet quelque chose, if God promises you something, prends ça au sérieux. Take it seriously. Si tu doutes, if you doubt, tu l'empêches de te bénir. You prevent him from blessing you. Et tu ne seras jamais béni. And you will never be blessed. Il a décidé, he has decided, que tu vivras par la foi. That you will live through your faith. Il n'a pas défini un autre moyen. He has not defined another mean. Prenons un peu Isaïe chapitre 41. Let's read Isaiah chapter 41. Lisons le verset 10. Lisons du verset 10 au verset 14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à néant, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens à ton secours, dit l'Éternel, et le Saint d'Israël est ton souverain, est ton sauveur. Amen. Amen. Regardez bien le passage. Quelqu'un a des problèmes. Look very well this essay. L'ennemi le menace. Someone has is in troubles. Dieu, the enemy is threatening. Dieu connaît où se trouve l'ennemi. God knows where the enemy is. Mais il laisse l'ennemi. He leave the enemy. Il vient d'abord te dire, he first come and tell you, je vais te délivrer. I will deliver you. Pendant ce temps, l'ennemi fait des bruits, te donne des coups. While the enemy is making noise and knocking you, Dieu te dit, ne crains pas, je vais te sauver. God tells you, do not be afraid, I will save you. Si tu doutes, if you doubt, l'ennemi va te frapper. The enemy is going to beat you. Parce que Dieu a décidé, because que le juste vivra par la foi. That the righteous one will live upon his faith. Chaque promesse est une occasion que Dieu te donne pour que tu entres dans la bénédiction.
Each promise is an occasion, an opportunity that God gives you so that you enter into the blessing. Sinon, Dieu peut venir, il frappe tes ennemis sans même te dire. Otherwise, God can come and beat your enemy without telling you. Mais il a dit, but he said, le juste vivra the righteous man par la foi. We live upon his et faith. La foi est une ferme, ferme assurance. And faith is a strong insurance. Des choses qu'on espère, c'est une ferme assurance aux in promesses things, de Dieu. In things that we are experiencing, we are waiting. It means things that we are waiting from God. Si tu enlèves la promesse, if you remove a promise, il n'y a plus de définition de la foi chrétienne. There is no means of Christian faith. C'est pour cette raison qu'il est dit, il envoya sa parole et les guérit. This is why it is said that he sent his word and heals them. Avant d'agir, before acting, Dieu parle d'abord. God speaks first. Prend les engagements. He takes commitments. Il prend même serment. He even make a vow. Il est dit que quand il a fait la promesse à Abraham, il l'a juré par lui-même. It is said that when he made the promise to Abraham, he swore by himself. Dieu pouvait prendre un bébé, mettre dans le ventre de Sarah en même temps. Elle est God enceinte. Could take sans a même baby and Abraham put into, à croire. Into the belly of Sarah without expecting Abraham to believe. Beaucoup d'enfants de Dieu. Many children of God. Sont bloqués à ce niveau-là. Are blocked at that level. Je vous dis la vérité. I'm Dieu, Dieu m'a parlé. Ça, je n'ai jamais. God c'est la première fois me. Que Dieu me dise que it is the la first promesse. Time God is telling me that the promise est le socle de la foi chrétienne. Is the seal, the ceiling of Christian faith. Et Dieu dit. And God says, avant qu'il ne te donne quelque chose. Before he gives you something. Il te promet. He promised. Si tu crois. If you believe, tu l'auras. You will get. Si tu doutes, if you tu doubt, ne l'auras jamais. You will never. Parce qu'il a dit, because le juste vivra par la foi. Will live upon his faith. Il ne peut pas changer. He cannot change. Et puis la foi est une formule divine pour dribbler le diable. And faith is a divine formula to dribble the devil. La promesse permet à Dieu de te sauver dans la justice. Allow God to save you in his righteousness. Vous voyez, quelqu'un est là, il attend le secours de Dieu. Et someone Dieu, au lieu de God le secourir, rescue, il vient lui faire des promesses, and et God, il s'en va. Instead of rescuing me, he's making promises, promises, and he go. Et quand Dieu veut restaurer quelqu'un, il renouvelle ses engagements envers la personne. And when God wants to restore someone, he renews his commitment toward this person. Regarde dans ta vie. Look in your life. Cherche une seule chose que tu as reçue sans avoir cru. Tu nous montres. Look for only one thing that you received without having believed, and you show it to me. Il y a les desseins de Dieu. There are God's purposes. Et il y a les promesses de Dieu. And there are God's promises. Les promesses sont des sortes d'alliances. Retenez ça. Kind de conventions of avec Dieu, toi, entre toi et lui. Mais ces God. Desseins. But his purpose sont ses projets solennels has his solemn project qu'il peut accomplir même si toi tu doutes. That he can complete even you doubt. Si tu déranges même il t'enlève. Si tu déranges il t'enlève il prend une autre if personne. You trouble, he can remove you and take someone else. C'est pour cette raison qu'il est dit que les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. This is why it is said that the purposes of God always comes to life. Si Dieu dit je veux sauver la Côte d'Ivoire. If God said that he wants to save Ivory Coast. Je vais utiliser les hommes. I will use men. Je vais leur donner mon esprit. I will give them my spirit. Si tu refuses, il te laisse, il prend celui qui est prêt. If you refuse, he leave you and take the one who is ready. Comme Judas. Like Judas. Il est dit que sa demeure soit déserte, qu'une autre personne prenne sa place. It is said, let his home be desert and someone else take his load. Personne ne doit se vanter sur la terre comme no comme s'il vient boast. Aider Dieu à sauver l'humanité. No one should boast on earth as he is helping God to save humankind. Il a dit que son nom sera connu sur toute la terre. He has said that his name will be known on all the earth. Ce n'est pas une promesse. It's not a promise. C'est une déclaration des desseins de Dieu. A claim, a proclamation of God. Même si tu ne l'adores pas, les cailloux commencent à chanter. Even if you don't worship him, the stones start singing him. C'est ce que Jésus disait aux Juifs. This is what que Jesus si ses enfants, si ses thèses, même les pierres vont commencer à louer he said, Dieu. Even if
these children keep quiet, stone will start praising God. Les desseins de l'Éternel s'accomplissent toujours. The purposes of God always come. Mais les promesses de Dieu dépendent de ta foi. Depends on your faith. Si tu doutes, if you doubt, tu vas mourir pauvre. You will die poor. Ce n'est pas de sa faute. It is not his fault. Il faut qu'il nous sauve en demeurant juste. He must save us while remaining righteous. Et le seul moyen, c'est de nous sauver à partir de zéro, de rien, que tu n'as rien fait. The only mean is to save us from nothing. Parce que si tu dis de faire, tu vas faire mal. Because if you tell you to do something, you will do it wrong. Et puis ce n'est pas pur. And it's not pure. Mais si tu crois, but if you believe, c'est rien. It's nothing. Mais tu es béni. But you are blessed. À partir de rien, from nothing, sans toucher, without touching, pour souiller, mais tu es béni. But you are blessed. Donc juste vivra par la foi. Je te remercie, Seigneur. Parce que tu parles clairement à mon cœur ce jour. Tu me fais comprendre, Seigneur, que sans promesse, il n'y a pas de définition de la foi chrétienne. Et tu me dis que la promesse est le centre de la foi. Et beaucoup de personnes sont bloquées à ce niveau. Seigneur, je crois que c'est mon problème. Je m'en repens ce jour. Parce que je comprends, Seigneur, que si je crois à ce que tu me dis, c'est pour ma bénédiction. Mais si je ne crois pas, cela ne pourra pas s'accomplir. Je prie que tu viennes au secours de mon incrédulité ce jour, Seigneur. Et je m'engage à partir de ce jour à croire chaque parole que tu me diras, Seigneur. Chaque parole que tu m'adresseras personnellement. Chaque parole au niveau collectif. Mais Seigneur, tout ce que tu me diras en privé, je croirai à cela et je resterai attaché à cela. Jusqu'à son accomplissement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 1, verset 17, c'est le verset qui dit « Le juste vivra par la foi ». Romans 1, verset 17, is the verse which is about « The righteous one will live through his faith ». Si nous appliquons cela à la méditation, if we apply that to meditation, lisons le psaume 60 ensemble. Let's read the psalm 16. Au chef des chants, sur le lit lyrique, hymne de David, pour enseigner. Lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Soba, et que Joab revint et battit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Relève-nous. Tu as ébranlé la terre. Tu l'as déchirée. Repars ses brèches, car elles chancellent. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures. Tu nous as abreuvés d'un verre d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière pour qu'elle s'élève à cause de la vérité, afin que tes bien-aimés sois délivré. Sauve à ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Ephraim est le rapport de ma tête et Judas mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Edom. Pays des Philistins, pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduira à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Vous notez ceci. What is that? Le psaume 60, Psalm 60 a été écrit au moment des déboires.
au moment des échecs, has been written in the period of defeat, au moment des revers dans la guerre, and failures during the war, quand Israël se battait contre les Syriens et les Édomites. When Israel was fighting against Syrians and Edomites. Donc c'est un moment difficile. It's a difficult period. Amen. Planifier les choses. Tu nous as fait voir des choses terribles. He said, you made us. Les choses, il dit, ils sont étourdis. You have made us seen things, terrible things. C'est donc en quelque sorte des lamentations, des pleurs dans lesquels reconnaît leur défaite. In the heart of the psalmist to experience his defeat. Ils sont vaincus par l'adversaire. They are overcome by the adversary. Et il dit à Dieu, and he tells God, cette défaite vient de toi. This defeat comes from you. Il dit, oh Dieu, tu nous as repoussés, tu nous as dispersés. You have rejected, tu t'es irrité. And defeated us. You have been angry with us. Le psalmiste a discerné la main de Dieu contre Israël. So the in the hand of God against Israel. Il dit, tu as ébranlé la terre, l'as déchiré, répare ses brèches, elle chancelle. He said, you have made the land tremble and you have cut it open. Now heal these wounds because it is falling apart. Et il a dans son esprit deux sujets de prière. And he has in his mind two topics of prayers. Le premier, the first, relève-nous. Take us back. Le deuxième, the second, repare les brèches. Repair the breakings. Donc nous pouvons constater que le psalmiste n'a pas les yeux fixés sur la puissance de l'adversaire. We can see that the psalmist has not his eyes focused on the power of the adversary. Pour entreprendre une offensive immédiate. To start a backfighting. Le psalmiste a discerné que cet échec, cette défaite vient du Seigneur lui-même. Has already remarked and seen that this defeat comes from the Lord himself. Il ne s'est pas mis à définir des nouvelles stratégies de conquête, de contre-attaque. He has not started defining strategies of conquest or attacks. Il n'a pas commencé à planifier comment s'enfuir davantage. He has not planned how to fly away. Ou comment aller mourir ailleurs. Or how to go and die somewhere else. Au contraire. On contrary. Il a les regards sur l'Éternel. He has the eyes on the Eternal. Et il appelle le Seigneur au secours. And he is calling God at his rescue. Vous notez ceci. What is? Il est facile de remarquer comment et de quelle manière le psalmiste garde les regards sur le Seigneur. It is easy to see how the psalmist keeps his eyes on the Lord. Il crie à Dieu. He cries at God. Il pose des requêtes. And he asks God. Il rappelle à Dieu ses promesses. And he recalls God. He reminds God his promises. Il fonde sa prière sur les promesses. He found his prayer on the promises. Donc il porte les promesses de Dieu dans son cœur. So he bears the promises of God on his heart. Il dit, tu as donné à ceux qui te craignent une bannière. He said, you have given to those who fear you. Afin qu'ils se lèvent au-dessus de la vérité. A home so that they go up truth. Tu leur as promis la délivrance. You have promised them deliverance. Tu leur as promis la délivrance. You have promised them deliverance. Tu leur as promis la victoire. You have promised them the victory. Écoute comment il rappelle cela à Dieu. Listen how he recalls that to God. Psaume 60 verset 8. Dieu dit dans sa sainteté, je triompherai. Je partagerai Sichem. Je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galaad, à moi Manassé. Ephraim est le rempart de ma tête. From his sanctuary, God has said, in triumph I will defy Sichem and distribute the valley of Sukkot to my people. Gilead is mine and Manasseh too. Ephraim is my hamlet and Judah my royal sept. Il dit à Dieu, les peuples qui nous combattent là. He tells God, people who are fighting against us. Toi-même, you yourself, tu as dit, you said, à moi Galaad,
Gilead is mine. Avant Manassé. And Manassé. Ephraim est le rempart de ma tête. Ephraim is my hamlet. Et Judas mon sceptre. And Judah my royal. Moi et le bassin où je me lave. But I will use Moab as my wash basin. Je jette mon soulier sur Edom. I will throw my sandals on Edom. Pays des Philistins. A sign at his own. Pousse à mon sujet des cris de joie. Did the Philistines think they would shout in triumph over me? Est-ce que tu comprends ce que nous disons? Supposons que le Seigneur atterrit à Côte d'Ivoire. Il dit, the Lord land in Ivory Coast. Korogwe m'appartient, Mang m'appartient, Bondoukou, Abengourou. Bondoukou, Abengourou, Amen. Je triomphe. He said, I will donc il dit à Dieu, tu as toi-même, tu as dit que Galad est à toi. So he tells God, you said that Ephraim Galad est à toi. Is yours. Ephraim Hallelujah. Is yours. Il dit à Dieu, he tells God, tu as dit, you said, Moab est le bassin où je me lave. I will use Moab as my wash basin. Tu jettes tes souliers sur Edom. I throw my sandals on Edom. C'est-à-dire qu'Edom n'est que marche-pied. Il jette that, les sandales sales quand il arrive. Il enlève les sandales sales et jette là-bas. Que ça, ça c'est mon territoire. Allez. This is my territory, my land. Hallelujah. Amen. Il dit, Ephraim est ma couronne. He said, Ephraim is my helmet. Judah est mon sceptre. Judah is my royal sceptre. Il veut dire à Dieu, tu as dit ça. He want to tell God, you said that. Viens à notre secours. Come to our rescue. Les promesses. The promises. Sont déterminantes dans tout. Toutes les batailles spirituelles are important and determining in all the spiritual sans warfare. Promesse, tu n'as pas de terrain pour promises, sur lequel tu peux te tenir pour agir. You have no field on which you can stand and act. Et il est dit que Séchim et Ephraïm, Juda représentent les territoires occupés. He said that à l'ouest du Jourdain. Séchim and Ephraim represents the occupied territory at the west of Judah. Judah represents le territoire à l'est du Jourdain. Judah represents the territory at the east of the Jordan. Galad est le fils de Makir, c'est le petit-fils de Manassé. Is the son of Makir, the grandson of Manasseh. Fils de Manassé, Makir, descendant de la famille des Makirites. Makir engendra Galad. De Galad descend la famille des Galadites. In Numbers 26 verse 29 it said that son of Manasseh Galad come from Makir. C'est pour ça qu'il dit que ceux-là sont à moi. This is why he said these ones are mine. Il dit il ne doit pas les abandonner. And he must not abandon them. Quand le combat devient comme tu dis à Dieu, mais tu as dit que je suis ton enfant. When the battle becomes very hard, you tell God, you said I am your son. Tu as dit que je suis ton enfant. You said I am your child. Tu as dit que ceux qui ont cru en Jésus. You said those who have believed in Jesus. Tu as dit que ceux qui l'ont reçu. You said those who have received him. Sont tes enfants. Are your children. Frère, le doute, l'incrédulité. Brothers, doubt and unbelief. Sont des choses à combattre et à enterrer. To fight against and bury. Les incertitudes. Uncertainties. Crois toujours, même si ça fait 100 ans, crois seulement. Always believe, even if it make 100 years. Keep on believing. Abraham a reçu la promesse à 75 ans. Abraham received the promise at 75 years. Quand on dit Abraham a cru, ça, tu ne pèses même pas, tu ne mesures pas ce que ça veut dire. When we say Abraham believed, you cannot even measure what it means. Quelqu'un a besoin d'un enfant. Someone needs a child. On lui dit l'enfant arrive. He said the child is coming. Une grande famille comme les étoiles. It is said that he will have a great family like the stars. 76. 76. 77. 77. 78. 78. 79. 79. 80. 80. 81. 81. 90. 90. 95. 95.
Même à 99 même, on lui dit toujours non. Sors même, sors, regarde le ciel. Comptez les étoiles. Vous comprenez pourquoi Antoine a dit à Dieu, je ne chante pas. You understand why Brother Antoine told God, I won't sing. Avec ça là, je chante. With that, you want me to sing? Non. No. Il est parti se coucher. He went and sleep. Frère, quand tu vis la vraie foi là, when you live the c'est true merveilleux. Faith, it's marvelous. C'est ta vie devient comme la vie des gens d'autrefois. Your life becomes comme la vie des patriarches. Like the life of people of the past times. Et les versets de la Bible s'appliquent à ta vie. And the verses of the Bible applies to your life. Dans Josué 17, verset 1. In Joshua 17, verse 1. Il dit, une part échue aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé et père de Galaad, avait eu Galaad et Bassan, parce qu'il était un homme de guerre. A part of the land west of the Jordan was assigned to some of the families descended from Joseph, elder son Manassé. Makir, the father of Gilead, was Manasseh's eldest son and a military hero. So Gilead and Bashan, east of the Jordan, were assigned to him. Donc, nous voyons à partir de cette bénédiction, so we can see through this blessing, la bénédiction que Jacob a prononcée sur ses enfants, the blessing that Jacob pronounced on his children. Comment elle s'est accomplie? How is plusieurs générations après. Many generations later. Vous notez ceci. Write this down. Ephraim et Judas sont les principaux membres du peuple de Dieu. Ephraim and Judah are principal members of the people of God. C'est-à-dire nous sommes, je suis en train d'expliquer pourquoi il dit Manassé et Ephraim sont à moi. I mean, I am explaining why he is saying. He said, Ephraim and Manasseh are mine. Comme il dit, Galaad est à moi, Manasseh est à moi. As he said, Gilead is mine and Manasseh is mine too. Ephraim est l'un des fils de Joseph. Ephraim is one of the sons of Joseph. Que Jacob avait adopté. That Jacob adopted. Ephraim porte le symbole du casque. Ephraim is the symbol of the helmet. C'est-à-dire une armure de la tête. It means an arm of the head. Donc une arme importante. So it's a very important arm. Judas porte le symbole du sceptre, c'est-à-dire de la domination. Judah is the symbol of the sceptre. It means domination, ruling. Dans Genèse 8, dans Genèse 49, verset 8. In Genesis 49, à 12, verse 8 to 12. Il est dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères, etc. Et plus loin, il dit, Judas est un jeune lion. Okay. Judas, tu reviens du carnage, mon fils, et il ploie le genou. Alléluia. Judas is like a lion, killing his victim and returning to his den, stretching out and lying down. Et plus loin, il dit, le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Judah will hold the royal scepter. Ça dit, ça c'est des promesses. Hein. Longtemps avant, Dieu dit, Galaad est à moi, Manasseh est à moi. God said, Gilead is mine, Manasseh is mine. Ephraim est mon rempart. Ephraim is my amulet. Et c'est toi qui dois garder ça. And you are the one who must keep Dieu, that. Dieu a parlé. Because God has spoken. Alléluia. Et les autres pays sont des pays subordonnés. And other countries are links, are ruled subordonnés by au peuple de Dieu. Les Moabites are ruled by the people of God. C'est là où je lave les pieds. Moab is my wash basin. Alléluia. Amen. Dieu lave les pieds chez tes ennemis. God washes feet in your enemies' houses. Toi, tu lui appartiens. You belong to him. Quand il combat, when he fights, il lave ses pieds sur moi. His foot in Moab. Edom est comme un laquais. Edom, il jette ses souliers sur Edom. He throws his sandals. Il jette ses sandales in Edom. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Les gens que tu crains là. People you fear. Dieu dit. God says, c'est là qu'il, quand ses pieds sont sales, là, c'est là qu'il s'en va les When his foot are
dirty is where he washed it. Quand il revient de la conquête, when he come from the conquest, il enlève ses sandales et jette là-bas. He remove his sandals and throw them. Mais il te prend et met sur sa tête. But he takes you and put on his head. Et il te prend à sa main droite comme un sceptre d'autorité. And he take you in his right hand like a royal sceptre. Avec tu es avec lui dans la conquête. You are with him in the conquest. Et pendant que le psalmiste priait pour la restauration, il dit: Dieu, relève-nous. While the psalmist was praying for the restoration, he said, et puis, rescue us and raise us up. La promesse est venue dans son esprit. And the promise came in his mind. Dit, toi, tu as dit, he said, you said, à moi Galad, à moi Manassé. Gilad is mine and Manasseh toi, is mine. Tu l'as dit. You said. Hallelujah. Amen. Toi, tu as dit que Moab là, you said that me, ce n'est que là où tu laves tes pieds. Hallelujah. Is the place you wash your feet. Tu as dit que Edom, c'est là où tu jettes tes sandales. You said Edom is where you throw your sandals. Et puis tu as dit que les Philistins vont susciter les chants de gloire, c'est-à-dire qu'ils seront vaincus. Philistine will make people sing song of victory because they will be overcome. Il dit, he said, je jette mon soulier sur Edom. I throw my sandals on Edom. Pays des Philistins. Country of Philistines. Pousse à mon sujet des cris de joie. They will have cries of joy. Tu as dit, you said, que les Philistins vont faire retentir ta gloire. Will sing and make my glory shine. Ils seront vaincus. They will be overcome. Donc les Philistins comme devant des vaincus qui devront fournir le thème du chant de victoire. So the Philistines will be like the overcome people who will create songs for victory. Vous notez ceci. Après avoir rappelé au Seigneur ses promesses, after having recalled the Lord his promise, le psalmiste se concentre maintenant sur l'intercession. The psalmist concentrates now on intercession. Il réclame l'accomplissement. He claims for the completion. L'on peut compter sur la fidélité de Dieu. Human being can count on the faithfulness of God. Toutes les promesses concernant le salut et la rédemption. For all the promises regarding salvation and redemption. Ce sont des promesses faites avec serment. These are promises made upon swear. Afin que l'espérance de chaque enfant de Dieu. So that the expectation of each son of God. Soit posée sur des fondements éternels. Should be laid on eternal foundations. Écoutez ça très bien. Pakistan. Dieu n'a pas changé. Quand on dit Jésus le même hier, aujourd'hui, éternellement, God has tout ce qu'il a promis, all that he has promised, concernant le salut, regarding salvation, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau, the old or the new covenant, sont éternels. Are eternal. Toutes ces promesses. All those promises. Et puis, elles reposent sur la fidélité de Dieu. And they are based on the faithfulness. Dieu a of les moyens, God has the means, pour rester fidèle à ses promesses. To remain faithful to his promise. Quand il a dit when à Jacob, said, ne crains point. When he said to Jacob, don't fear. Vermisseau. C'est-à-dire toi qui es faible là. Little one, it means you who c'est are la weak. Même chose pour toi. It is the same for you. Il dit ne promette pas tes regards inquiets. He said don't put your eyes around. Il te dit la même chose. He is telling you the same. Jésus thing. A dit. Jesus said. Vous aurez les tribulations dans le monde. You will have trials in the world. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. But keep strong because I have overcome the world. C'est les mêmes promesses. It is the same promise. Il dit croyez en Dieu et croyez en moi. He said believe in God and believe in me. C'est les mêmes promesses. It is the same. Il dit que votre cœur ne se trouble point. He said let not your heart be troubled. Il y a des gens qui pensent qu'il y a une barrière, une frontière entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. There are people who believe that there is a barrier between the old covenant and the new one. Hallelujah. Amen. Vous notez que les promesses précèdent toute bénédiction. The promise come before any kind of blessing. Il envoya sa parole. He sent his word and healed him. Vous notez que Dieu promet la protection à Israël. God promised protection to Israel. Il dit Israël n'a
pas à craindre. He said Israel must not fear. Il ne doit pas craindre les attaques. He must not fear attacks. Il ne doit pas craindre qu'on va le détruire. He must not fear to be destroyed. Il est élu. He is elected. Toi-même tu es élu. You are elected. Tu es même prédestiné à être semblable à Christ. You are even forecast to be like God. Nous sommes like les enfants Christ. De la même promesse. We are the children of the same promise. Dieu t'a choisi, il m'a choisi. God has chosen you, he has chosen. Il nous a choisi comme des instruments qu'il doit utiliser pour conquérir he le has monde. Chosen us tools he must use to conquer the world. Il a dit qu'Ephraïm est son Judas est son sceptre. He said Judah is his sceptre. Ça dit qu'il prend Judas pour commander. It means that he used Judah to rule. Il te prend, il me prend. He takes me and he takes pour you. Pour gouverner avec nous. To rule. Alléluia. With us. Qui a déjà chassé un démon parmi vous? Who has ever cast a demon out? Ça dit qu'il a dit un démon sort. He has said a demon go out. C'est venu d'où? Where does it come from? C'est venu d'où? Where does it come from? De Jésus-Christ. From Jesus Christ. De la promesse de Dieu. From the promise of God. Je vous donne mon pouvoir. I give you my power. Vous allez marcher sur les serpents et les scorpions. You will walk on the snakes and sur scorpions. Toute la puissance de l'ennemi. And all the power of the rien enemy. Ne pourra vous nuire. Nothing will hurt you. Oui. Vous notez ceci. Brothers. L'accomplissement des desseins de Dieu. For the completion of God's purposes. En tant qu'Israël. As Israel. C'est-à-dire que Dieu nous a choisis. It means God has chosen pour accomplir ses desseins, to accomplish his purposes, comme il avait choisi Israël, as he did for Israel, pour accomplir les desseins dans le peuple d'Israël et dans les nations. To accomplish his purposes in the people of nous Israel aussi, and in the nation, nous devons agir dans le corps de Christ et dans le monde. We must act in the body of Christ and in the world. Pour l'accomplissement des desseins de Dieu. For the completion of God's purposes. Les croyants en Christ. Believers in Christ, les saints de la nouvelle alliance, holy ones of a new covenant, sont donc des serviteurs de Dieu. Are therefore the servants of ils sont God. Des enfants que Dieu a adoptés par le sang de son there fils. There are children that God has adopted by the blood of his child. Je suis enfant de Dieu. I am a child of God. Tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Vous voyez comment Dieu a planifié les choses. You see how God has planned things. Et tu dois croire à ça. And you must believe that. Tu dois croire à ça. You must believe. Si that. Tu crois à ça. If you believe that. Les vertus liées à cela vont s'accomplir dans ta vie. The virtue linked to that will come into your life. Si tu es un enfant de Dieu. If you are a child of God. Si tu as peur. If you are scared. De l'homme. If you fear men. C'est un péché. It's a sin. Si tu as peur des démons, if you fear demons, c'est un péché. It's a sin. C'est ça qu'on appelle le doute, l'incrédulité. This is what we call doubt and unbelief. Ne te contente pas parce, ne dis pas j'ai laissé l'adultère, j'ai laissé la fornication don't et puis say, le doute va te garder enchaîné. I forsake adultery and fornication, but doubt will enchain you. Le travail que tu dois faire. The work you must do pour entrer dans tes bénédictions to enter in your blessings dépasse le travail que tu as fait pour laisser le péché. It's beyond the work you did to give up sin. Le frère disait un jour que quelqu'un s'est levé. Il dit j'étais un chambalan du roi. Brother Zach said that someone stood up and said I was very close to the king. Le frère a dit mais regarde, il se réjouit. Au lieu de crier Alléluia, parce qu'on l'a délivré de cette charge-là, il fait comme s'il a perdu quelque chose. He is rejoicing. Instead of crying Alléluia, because he has been delivered of his load, he behaves like he has lost something. Et d'ici quelqu'un a une hernie et puis on opère, on enlève, est-ce il doit se réjouir? He said, if someone has an hernia and he is operated and it's removed, he must rejoice. C'est-à-dire quand on t'enlève le péché, when, c'est une grande délivrance. When you are delivered from your sin, it's a great deliverance. Certaines personnes veulent qu'on les respecte parce qu'ils ont laissé le péché. Some people want to be respected because they have forsaken sin. Ils utilisent ça comme le chantage. They use it like rapture.
si tu es trop concentré, if you are too much concentrated, sur la lutte pour laisser le péché, tu perds beaucoup de choses. On the fight to forsake sins, you will lose lot of things. Il est écrit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. It is written, you who love the Lord, hate. Les enfants de Dieu doivent être concentrés sur le travail que Dieu leur a donné. The children of God must be concentrated on the work that God has entrusted. Ils doivent croire. They must believe. Et ils doivent avancer. And they must move forward. Et il y a des péchés qui sont liés à la doctrine de la foi. And there are sins which are linked to the doctrine of faith. Des choses comme le découragement. Things like disappointment. Comme le doute. Like doubt. Comme l'hésitation. Like hesitation. Sont contre la foi. Are against the faith. Tu peux laisser les œuvres de la chair. You can stop works of your flesh. Et tu restes enchaîné par le doute. But you remain enchained by the doubt. Par le découragement. By disappointment. Tu auras les mêmes résultats que les païens. You will have the same result as the pagans. Dieu a parlé. God has spoken. Rien ne s'accomplit. Nothing has come to life. Ce soir, tonight, tu vas chanter. You will sing. Comme le frère Antoine. As brother Antoine did. Hallelujah. Amen. Tu ne murmures pas. You will not murmur anymore. Tu dis à Dieu. You tell God. Pardonne-moi. Forgive. Moi-même j'ai freiné. Myself break down. J'ai freiné ton œuvre dans ma vie. I break down your work in my life. J'ai obscurci ton plan. Have darkened your plans. Par mes craintes. By my fears. Par la peur. By fear. Parce qu'au lieu de donner au Seigneur l'opportunité, la place pour agir. Because instead of giving to the Lord the place to act, tu doutes et il est bloqué. You doubt and he is blocked. Il passe le temps à dire à Jacob, ne crains pas. He spent time telling Jacob, ne promets pas. Tout le temps là, il veut qu'il croit. He wants him to believe. Il veut qu'il croit. He wants him to believe. Je sais que tu pourras désirer qu'il agisse même si tu doutes. I know that you would like that he act even if you are doubting. Et tu lui diras, Seigneur, tu connais ma faiblesse. And you will tell him, Lord, you know my weakness. Et dit, he says, le juste vivra, the righteous one, par la foi, will live through his faith. Pendant que tu es assis, while you are sitting down, commence à réviser. Start revising. Comment tu dois enterrer le doute ce soir? You must bury doubt tonight. Comment tu as tremblé? How you trembled. Et repens-toi. And repent. Tes yeux, your eyes, sont fixés sur quoi? Are focused on what? Le psalmiste, il revenait d'une grande défaite. The psalmist was coming from a very big failure. Le peuple était battu. The people was beaten. Par des ennemis. By enemies. Et dit à Dieu, he said, ça vient de toi. It came from you. Tu nous as repoussés. You have rejected us. C'est toi. It's you. Tu nous as dispersés. You have scattered us away. Souviens-toi. Remember. Que tu as dit. That you said. Galate est à moi. Gilead is mine. Manassé est à moi. Manasseh is mine. Ephraim. Est mon casque. Is my helmet. Judah. Mon sceptre de commandement. My royal sceptre. Souviens-toi. Remember. Que tu as dit. That you said. Que les Moabites là. That Moab. C'est juste un bassin. Is your wash basin. Kedom. That Edom. C'est juste un laquais. Is the place tu l'as dit. Your son that you said. Et maintenant, les laquais dominent sur nous. Right now, these people are ruling on us. Il dit, lève-toi. He says, stand up. Repare les brèches. And repair the breaks. Quand on médite, when we meditate, il y a une pensée qui est derrière l'esprit. There is a thought which is behind that spirit. Il faut tenir compte de cette pensée là. You must take into account that mind, that thought, sorry. Si je prends 10 frères maintenant. If I take 10 brothers. Si je leur dis. If I tell them.
Priez pour la conquête. Pray for the conquest. Pendant une minute. During 1 minute. Et écrivez ce que vous avez demandé. And write what you asked. Et puis je leur dis. And I tell them. Écrivez aussi ce à quoi chacun pensait. Also write. C'est la pensée qui était derrière. Pas quand tu prononçais les mots là. Écris ce qui était dans ton esprit. What everyone was thinking while writing the word. Write what was in your mind. Vous allez discerner comment l'esprit de l'homme se comporte dans une méditation. How the spirit of a human being is behaving during a meditation. Parce que tu peux être en train de dire, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te bénis. Because you can be saying, oh Lord, I bless you, oh Lord, I praise you. En pensant à ta délivrance. While seeking to your deliverance. Un autre peut dire, oh Dieu, je te loue, oh Dieu, je te bénis. I praise you, I bless you. En pensant au salut de sa famille. Thinking to the salvation of his family. Pour avoir une pensée pure. To have a pure thought. Il faut avoir les regards sur la promesse. You must have your eyes on the promise. C'est pour ça qu'on a dit que la promesse sanctifie la foi. This is why we said that promise. The ça promise détache la foi the faith. Des promesses, l'homme dit je vais t'aider, ne crains rien, je suis it là, tout ça. Out your promise from the promise of men saying that I will la, help la, you and so. La promesse détache ta foi. De la foi aux hommes pour accrocher ça sur la foi en Dieu dont the elle promise, est sanctifiée. The promise take away, take out your faith from the faith on man to the faith to God. Tu dois avoir les regards. You must have sur ce que Dieu t'a promis. Your eyes on what God has promised you. Du coup, tu seras sanctifié. And at that time you will be sanctified. Et ta prière va traverser les nuages. And your prayers will cross the crowd. Ta prière va entrer dans le sanctuaire. Your prayers will enter the sanctuary. Lis-nous ça dans Hébreux comme dernier passage dans l'épître aux Hébreux chapitre 6. Lis à partir du verset 11. Read from verse 11 jusqu'au verset 20. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Or, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à tous les différends. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervient par un serment, afin que, par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Donc l'espérance nous fait entrer dans le ciel. Makes us enter into pendant que nous sommes encore sur la terre. While you are on earth. Tiens-toi debout, s'il te plaît. Stand up, please. Dieu est bon. God is good. S'il a parlé, if he has spoken, c'est parce qu'il pardonne. It's because he forgives. Dis-lui de te pardonner. Tell him to forgive you. Et accroche-toi à la promesse. And grabs the promise.
Même s'il te faut 25 ans comme Abraham. Even if it will take 25 years as Abraham. Tu verras certainement ce que Dieu t'a promis. You will surely see what he has promised. Ne doute pas. Do not doubt. Ne crains pas. Do not fear. Ne tremble pas. Do not tremble. N'hésite pas. Do not hesitate. Ne te décourage pas. Do not get disappointed. Ne promène pas les regards inquiets. Do not wonder your highs. Laisse les mots négatifs. Forsake negative words. Déjà, je ne sais pas, je ne peux pas, je ne suis rien. I don't je know, mourir. I am nothing, je I don't mourir. Know, I will die. Quand ta bouche dit déjà je veux mourir. When your mouth already proclaim you will die. Tes ennemis commencent à publier ça dans leur camp. And your enemies start publishing it in the camp. Dieu t'a donné la vie. God has given you life. Tu ne vas pas mourir. You won't die. Tu vas vivre. You will live. Tu as même du travail dans sa maison. You even have work in his house. Tu n'as même pas encore fait la moitié. God, you have not even made the means. Est-ce que tu crois à ça? Do you tu es déjà that? Béni. You are already blessed. Lève tes deux mains. Raise your two hands up. Bénis le Seigneur pour tout ce que tu crois être promesse, même s'il y a les erreurs. Bless the Lord for all that you believe to be a promise. S'il y a des erreurs, lui corriger. Even if there are errors inside, he will say, c'est will bon correct que it. Par zèle, toi tu crois. It's good that by zeal you believe. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur, tu es notre Père. You are our Father. Nous te bénissons. We bless you. Pour chaque promesse. For each promise. Chaque promesse. Each promise. Des promesses individuelles. Individual des promesses collectives. Collective promises. Nous te bénissons. We bless you. Nous te bénissons. We bless you. Nous te bénissons. We bless you. Oh Père, oh Father, pardonne le doute. Forgive our pardonne doute. Le doute. Forgive pardonne our le découragement. Forgive this pardonne l'hésitation. Forgive pardonne l'hésitation. Forgive hesitation. Pardonne la peur. Forgive fear. Pardonne la peur. Forgive fear. Pardonne l'angoisse. Forgive anguish. Pardonne l'angoisse. Confession négative. Negative confession. Des attitudes négatives. Negative behaviors. Des attitudes négatives. Negative behaviors. Des comportements négatifs. Negative behaviors. Qui ont freiné ton œuvre. Qui ont freiné ton œuvre. Break down your walk. Oh la baka go bakara kabakara bashara bakara bara. Oh Seigneur. Dis Seigneur. Say Lord. Restore. Restore. Restore-moi. Restore me. Restore-moi. Restore me. Dis Seigneur. Say Lord. Pardonne-moi toute attitude négative. Forgive me any negative tout comportement behavior. Négatif. Any negative behavior. Toute confession négative. Any negative confession. Tout ce qui a freiné ton œuvre dans ma vie. All that has broken down your work in my life. Tout ce qui a obscurci tes plans dans ma vie. Everything that has darkened your plans in my life. Forgive me. Je te crois. I believe you. Je te crois. I believe you. Dis pardon mes frères. Forgive brothers. Pardonne à chacun. Forgive each of us. Dis Seigneur. Lord. Pardonne-nous en tant que Église. Forgive us as a church. Pardonne-nous en tant que communauté. Forgive us as a fellowship. Dis merci au Seigneur. Say thank you, Lord. Va et protège-toi. Go and protect you. Protège ta richesse. Protect your riches. Protège ton rang. Protect your rank. Protège ta classe. Protect your position. Protège ton statut. Protect your status. Ta stature. Protect your kinds. Amen. Amen.